Les gens, c'est Lord Fab, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur Final Fantasy Brave Exvius. Dans la vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter les améliorations de Aurora Free Avia. Et croyez-moi, aïe, ça fait mal. On regardera les calculs après la vidéo. Et honnêtement, aujourd'hui, je peux vous dire que c'est un personnage très très fort et que vous allez pouvoir vraiment l'utiliser. Si jamais vous l'avez, peut-être que potentiellement, vous n'avez peut-être pas besoin d'aller chercher notre ami Zyrus spécial Black Friday aujourd'hui pour sa bannière. Voilà. Alors, pour rappel, hein, c'était un attaquant hybride, donc physique magique. Pour rappel aussi, dans les hybrides physiques et magiques, souvent on les stuff d'un côté, c'est-à-dire soit en physique, soit en magique, pour améliorer les dégâts, parce que comme la formule est au carré et que les équipements sont compliqués à avoir, c'est très très difficile de faire plus mal en stuff full hybride, donc en montant très très haut en magie et en dégâts physiques, en attaque. Donc souvent on choisit entre la magie et le physique, les attaques physiques. Donc là, elle, typiquement, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller la builder en magie pour essayer d'aller voir ce qu'elle donne. Alors, pour rappel, hein, tac, sa TMR elle est plutôt sympa, mais c'est pas la meilleure TMR du monde. Là, on avait par contre une arme qui était plutôt bien pour elle. Vous avez vu, c'était une épée hybride. Donc, c'est là où vraiment elle fait mal avec un damage range. Donc, c'est une épée à deux mains, 105-155. Donc, magie 120 plus magie MP plus 120 plus 20%, c'est plutôt bien. Pourquoi? Parce que concrètement, pourquoi c'est important d'avoir cette épée là Parce que malheureusement, elle a des statistiques et surtout des. Vous allez voir, elle peut porter des armes uniquement un type d'arme. Ça, c'est assez chiant. Alors, magie 199, attaque 195, c'est un hybride, donc c'est bien pour l'époque en plus de ça. Derrière, au niveau des armes, bah oui, et voilà, vous l'avez vu, elle peut porter que des épées. Donc je crois qu'il y a l'épée de Makina qui est ou Kurasame qui est pas mal, je sais pas lequel des deux qui était pas mal aussi pour la magie notamment. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir Kurasame. Est-ce que c'est ça? Tac, on va voir. Hop. Voilà. Kurasame, est-ce que c'est celle-là là? Iceblade, ouais, magie 162, donc là c'est pas mal. Par contre, le problème c'est qu'il n'y a pas de variance et qu'on est calé sur un élément glace. Donc effectivement, sa STMR est quand même plutôt conseillé pour faire mal. Voilà. Alors, derrière, les amis, au niveau des skills, pour rappel, elle avait quand même pas mal de skills. De base, elle pouvait chain avec beaucoup de choses, Absolute Mirror of Equity, elle pouvait aussi chain avec Onion Slight, Orion Ray, Divine Lunation. Pour activer son triple flash, il fallait absolument du coup mettre un skill avant. D'autant plus que elle avait ici des dommages de lumière surtout, avec des ici des dommages à 1200%, donc ce qui fait du 600%. Si on fait, entre guillemets, si on divise par deux, parce que si on fait que l'un. Alors, diminuer les résistances élémentaires de lumière de 100%, voilà. Bref, c'est un verso qui était plutôt pas mal. Par contre, en termes de dégâts hybrides, on était très faible. Vraiment, quand même, très faible par rapport à ce qu'on a maintenant. Voilà. Au niveau de l'augmentation de l'attaque de magie, c'était du 200% à l'époque. Et ici, on avait un skill plutôt sympa qui était un finish à 40x. Voilà. À l'époque, je dis bien à l'époque, on avait du 130% d'attaque et de magie de single weapon, d'accord, donc voilà. Et ensuite, attaque et magie, on avait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 120%. C'était pas non plus la folie furieuse, mais là on va essayer de regarder un petit peu ce qui va se passer. Alors, pour rappel, il fallait activer le triple cast. Et le triple cast activait quand même pas mal de choses, mais pas tout. Alors, là maintenant, regardez bien les améliorations, vous allez tomber par terre. Alors déjà, le flash brillance, il passe à 1500%. Flash brillance. Alors,
Flash Brilliance, si on se le reprend, Flash Brilliance, c'était un 400%, d'accord, avec MP75. Là, du coup, on passe à un 1500% avec une chaîne absolument off-kit-kit-kit, ce qui est beaucoup mieux. Au niveau de la TMR, ici, on augmente l'attaque de l'équipement de magie de 75% et l'attaque de 30%. Et là, du coup, c'est du attaque magie 50% et attaque magie 100%. Alors, on va re-regarder quand on avait la TMR, c'était du 100, du 50%. Donc, du coup, on va doubler. Et on va doubler aussi l'attaque et la magie. Donc, c'est plutôt bien. 50% d'attaque magie et 100% d'attaque magie de l'équipement. One single wielding, ok. Et autocast triple flash au début du battle. Et ça, c'est vraiment bien parce que du coup, elle peut triple cast. Et je dis des conneries, elle pouvait déjà triple cast avant. Flash Furious Radiance. Alors avant, Flash Furious Radiance, c'était un 1200% avec une diminution de 100%. D'accord ? Maintenant, les amis, c'est un 2000% avec un 1200% avec un 120% de réduction. Donc ça, c'est le maximum à la lumière. Et on peut utiliser, c'est du Divine Lunation. Donc c'est plutôt bien. Là, vous dites cool. Welder of Light augmente l'attaque, la défense, la magie, la psy, les HP, les MP de 50%, la lumière, la résistance et les modificateurs de Aurora Storm. Alors Aurora Storm, qu'est-ce que c'était ? Hop, 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 hop. Aurora Storm, c'était un skill qu'on pouvait activer avec un autre skill, c'était un 1500%. Ok, donc là déjà, ouais, c'est pas mal, on augmente. Alors, Daybringer plus machin. On va avoir effectivement plus d'attaque et de magie de l'équipement, 50 au lieu de 30%, c'est plutôt bien. Et on va augmenter les modificateurs d'encore pas mal de skills. 15x pour Flash, Dazzle Flash, Endless Punishment. Ok. Maintenant, le Dual Cast, c'est le Dual Cast de tous les skills de Frevia. Voilà, elle peut tout Dual Cast, hein, c'est clair. Hein. Ça, c'est plutôt intéressant. Ensuite, en cooldown, les amis, donc on est passé sur un cooldown ici à 4 tours seulement et on augmente l'attaque et la magie de 250%, ce qui fait que concrètement vous avez un super cooldown, génial. 250% c'est mieux que les 200% de base. Ensuite on restaure HP MP 100% du caster, donc là c'est bien, tous les MP tous les 4 tours les amis, putain. Derrière, à partir du tour 4, là, on a quand même un 6500% en Auréole Ray. Eh oui, ça change. Ça change. Hein. Wow, 6500%. Alors, c'est First Light, d'accord ? Alors, First Light, ici. Tac, on va voir. Tac. Je vais regarder. Là, on n'augmente pas ces trucs. Bon, ok. Ok. First Light, 6500% sur un 30 hits. C'est énorme. Honnêtement, c'est énorme. 2 euros Frevia, ça va faire très mal. Mais on va regarder. Très mal. Là, franchement, le triple cast de tous les skills, ça c'est plutôt intéressant. Maintenant, on peut tout triple cast. Ça, c'est vraiment super bien. Triple flash, donc au début, cast 3 times any of Aurora Frevia flash skill or Aurora Storm. Même Aurora Storm. Donc c'est super. Très bien. Alors, les habilités latentes, elle va être moins squishy, défense, psy, 30% et HP, augmente les dommages physiques et magiques contre les démons et les démons et les humains, énorme, augmente l'attaque de l'équipement et la magie de l'équipement de 50%. Bref, on arrive à des sommets en attaque, etc. Et ici, augmente la résistance à la lumière de 100% pendant 5 tours à tous les alliés, et augmente les multiplicateurs. Et là, vous avez vu First Light, multiplicateur plus 15. First Light, c'était bien celui-là, 65. Donc ça nous fait un 8000%. Si on divise par 2, ça nous fait un 4000% quand même. C'est très bon sur du 30x. Attention, tous les 4 tours, ça va envoyer du steak, du bois et faire très mal. Maintenant, les amis, la vraie question, c'est... est-ce qu'elle va être utile ? Hop. Est-ce qu'elle va être partagée ? Ok, alors, normalement, Aura Frevia, c'est un personnage qui est là depuis longtemps maintenant. Donc, vous êtes beaucoup à l'avoir en 7 étoiles. La question à se poser, c'est est-ce qu'elle sera, en termes de damage, au niveau ou pas ?
Alors en physique, aujourd'hui, on va prendre comme référence Aldor Kingreyne, parce que Eric, honnêtement, très peu partagé, il n'y a personne quasiment qui le joue. Donc on va prendre, on est quasiment à 16,8 millions de dommages. Ok. Au niveau magique, on a la même chose. Je veux dire, opérative Zyrus, on a 16,9 millions. Voilà, donc quasiment la même chose. La question, c'est où se trouve Aurora Frevia ? Puisque Aurora Frevia, elle peut prendre le rôle d'Aldor Kingreyne avec ses 16,8 millions, et elle peut prendre aussi le rôle de Opérative Zyrus avec ses 16,8 millions aussi. La question, c'est où est-ce qu'elle se positionne ? Eh bien, je vous le dis, 16 millions, les amis, sur 12 tours. C'est énorme, c'est énorme, c'est monstrueux. Ça veut dire que demain, honnêtement, avec les dégâts hybrides qu'elle fait, c'est hyper pratique. Vous avez un personnage. Moi, je serai free-to-play. J'ai Aurora Frevia. Je ne vais pas chercher ni un attaquant magique, ni un attaquant physique. Honnêtement, elle est capable de faire les deux. Et elle est très très forte. Avec elle, voilà. Par contre, la seule chose, il vous faut un pote. Il vous faut un pote qui vous la partage. Clairement. Il vous faut un pote qui vous la partage pour pouvoir optimiser les dommages et faire avec la même copie et faire des dommages sont vraiment dans la méta. Mais clairement, je vous le dis, c'est un personnage exceptionnel. Là, franchement, 16 millions sur 12 tours, on est sur le très très haut du panier. C'est possible qu'elle fasse plus de dommages que Fina, CG Dark Fina, quoi, en magique, quand elle est équipée. Après, il faudrait faire des tests de comparaison pour voir avec les multiplicateurs, les rotations, etc. Mais honnêtement, aujourd'hui, je pense qu'elle a rien à envier à un opératif Zyrus. Voilà. Enfin, si jamais vous la stuffez en magique, full magique. Alors maintenant, ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va, regarder, on va aller voir le builder ici. Voilà, les amis. Hop, alors, voilà, très très bien. Voilà, c'est super. Et on va aller voir notre petite Aurora Frevia, jusqu'où on peut la monter en magie, si jamais on la met, voilà. Alors, t'es gentil, builder. Voilà. Hop, tac, voilà. Alors, là, il veut pas. Là, il veut. Allez. Unit with skill. Jason. Ok. Bon, bah, on attend. J'espère que je recommence. Je vais réessayer. Ah, là. Ah non, c'est pas bon. C'est toujours pas bon. Ok. Je vais claquer la vidéo. Je vais l'arrêter là une seconde. Et on se retrouve tout de suite. Comme ça. Voilà. J'ai mis les pots au maximum. Hein, pas de soucis. Et vous allez voir ce que ça va donner en termes d'équipement. Elle monte au maximum à 3337 de magie, ce qui est ma foi plutôt très 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 intéressant. Voilà comment les stuffer. Bon, c'est du stuff de gros porcinet, ça on est bien d'accord, les amis. Alors ce qu'on va faire, c'est que déjà là on va aller voir ce qui serait bien, c'est que j'arrive à recliquer là. Voilà, merci. Alors on va faire un autre build, on va exclure les STMR. Voilà, comme ça on verra ce que ça donne au niveau du build. 2810 sans STMR. Et c'est pas mal, hein. 2810 sans STMR. Honnêtement, c'est loin d'être moche. C'est loin d'être moche. Et ensuite, sans TMR 5 étoiles. Alors là, on est vraiment... et sans premium item. Voilà, donc plus qu'avec les items d'event. 2558. Voilà, bon. Après, je peux dire qu'il y a mieux, mais bon. On va essayer peut-être la possibilité en attaque physique pour voir ce que ça donne. Pour voir où est-ce qu'elle monte en attaque physique. Hop, allez, attaque physique. Là, on met tout. C'est parti. Allez, on build en attaque physique. Hop. 3154 en attaque. 3158. Est-ce qu'on a les pots au max ? Oui, on a les pots au max. 3158, voilà comment elle est stuffée. Bon, c'est du gros porcinet, hein, ça sert à rien, c'est pas comme ça qu'on build, qu'on doit la builder. Maintenant, elle pourra même monter un peu plus haut. Ok, ensuite, si on exclut les STMR, à combien elle va monter en physique?
2664, ok, d'accord. Et derrière, si on exclut les TMR et les machins, donc vraiment débutant, 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 elle peut monter à 2300 quand même. Bref, vous l'aurez compris, honnêtement, c'est un personnage qui est plutôt easy à utiliser. Moi, j'aime beaucoup. Honnêtement, voilà. Alors, je peux vous la conseiller, clairement, pour les free-to-play et pour les dolphins, ça sera super bien. Et à la rigueur, même pour les whales, si vous arrivez vraiment à la stuffer, à la limite, si vous en avez deux, faudra la tester, mais je pense vraiment qu'elle peut être quasiment mieux à jouer que les mages qui vont arriver. Donc on a vraiment un personnage complètement pété. Voilà, donc, il faut le savoir. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis on se reparle très très bientôt, c'est-à-dire demain pour les news. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Bah ouais, si vous voulez récompenser le travail qui est fait sur la chaîne, le petit pouce bleu, la petite cloche de notification. Et puis voilà, l'abonnement ça va pas mal aussi. Et le commentaire qui va bien. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut salut, ciao ciao. Si tu souhaites soutenir la chaîne, tu peux le faire gratuitement sur le site utip.io/lordfab. Chaque jour, tu peux regarder de 1 à 3 publicités et à chaque fois que tu le fais, c'est 5 centimes gratuitement pour la chaîne. Merci énormément pour ton soutien.